question et son accompagnement de toujours. Mon frère ami Maître Sidi Fikaba, ministre des Forces armées, grand défenseur aussi des arts et de la culture, et son soutien constant. Mes remerciements au professeur Aliou Sow, ministre de la Culture et du Patrimoine historique classé, parrain de cette première sortie mondiale. Mention spéciale au réalisateur Oumane Ndiaye et le professeur Elhadj Oumane Ndiaye pour cette œuvre réalisée depuis 3 ans. Malik, merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup encore, Oumane Ndiaye, pour vraiment tout ce que vous avez donné comme énergie pour réaliser aujourd'hui cette œuvre que nous sommes en train de faire. Nous remercions aussi à tous ceux et celles qui ont apporté leur témoignage dans ce film. Merci à Madame la ministre Nioré Ndiaye, présidente du GAZ, à Son Excellence l'ambassadeur du Congo, Serge Lessia. Je vous remercie ici, particulièrement Madame Ramatoulaye Ndantouf, conseiller spécial du président de la République, directrice générale celui d'appui à la protection des enfants et conseiller de Madame la ministre de la Famille et de l'Enfant. Remercier Monsieur le président du Conseil constitutionnel, qui est là parmi nous, M. Mamoudouba de Kamara, pour son soutien constant et l'appui qu'il apporte régulièrement pour la promotion et la préservation des arts et de la culture. Je voudrais profiter de l'occasion aussi pour remercier le général Mohamed Mansou Sek, qui est un ami de longue date, qui aussi a toujours accompagné les artistes, qui a été un ami personnel de toujours. Madame Pernabon, ministre, je veux remercier aussi le représentant du chef d'état-major général des armées, qui est là parmi nous. Remercier à M. Racine Tala, directeur général de la RTS, pour sa vision, surtout son soutien et les innovations majeures apportées de quotidiennement dans le domaine de l'audiovisuel. Au professeur Amadi Bokoum, directeur du musée des civilisations noires, M. Racine Senghor, le président du conseil d'administration, M. Elbachir Kanouté, directeur exécutif de ENDA Ecopop, M. Adama Lam, le président du CNES, M. Aline Badiane, mon professeur de toujours. Au directeur général de l'ASPT, M. Bao Diouf, et l'ensemble de ses collaborateurs, nous disons un merci particulier à M. le maire de Dakar, M. Barthélémy Toy-Diaz, qui véritablement a été le premier à soutenir ce projet-là, il faut le dire. Merci particulièrement à M. Moustapha Sam de Pathé Cinéma, directeur exécutif de Pathé Cinéma, mais l'ensemble de ses collaborateurs qui, depuis tout le début de cette organisation, ont véritablement mis toutes les énergies nécessaires pour en arriver là en ce moment. Je remercie particulièrement M. Hugues Diaz, aussi ancien directeur de la cinématographie, à M. Gervais Colli, directeur de FUPICA, et Aziz Cissé, qui véritablement ont articulé pour nous arriver à ce niveau aussi. À l'ensemble du corps diplomatique qui ont effectivement confirmé leur présence, merci de votre présence, particulièrement à M. Ben Bourgel, ambassadeur d'Israël au Sénégal, pour sa contribution remarquable. Cher directeur Aloïs Ndane Diouf, merci parce qu'il est venu depuis hier pour passer la nuit à Dakar pour venir assister à cette cérémonie. Et merci chaleureusement pour votre présence. Je remercie Madame la secrétaire générale de la Biennale Dakar, Madame Marienba, qui toujours accompagne les artistes, toujours à nos côtés. Aux jeunes artistes, mes frères, Ismaël Weber, Amadou Kamaraké, je vous dis merci pour votre témoignage. À la famille Kanté, à la famille Diom, merci aussi à Ibo Soura, à M. Jean Pierres et à l'ensemble de la presse culturelle, directeur général, Osmour, et à l'ensemble de ses collaborateurs qui n'ont ménagé aucun effort, que ce soit vendredi ou samedi. Tout le temps, elle m'appelait, je vois qu'elle était au travail, elle n'attendait pas, surtout qu'elle n'avait encore rien reçu pour pouvoir faire le travail, elle l'a fait avec le cœur. À monsieur le directeur du centre culturel Bessengor, à Luke Babayan, merci beaucoup, mais aussi à l'association Éducotisme, de m'avoir nommé ambassadeur de la bonne cause. À la famille Elimane Ndiaye, merci beaucoup. Enfin, je remercie mon épouse Fatma Ndiaye, ici la présente, pour sa patience et surtout sa résilience depuis plusieurs années. À Madame Kamara Anta, à mes enfants, Khalid Kassé, Aline Badar Kassé, Dipol Angel, Mme Diara Bouakar Kassé, merci pour vos conseils, Samba Kanté et ainsi de suite. Je remercie aussi la présence de monsieur, mon frère ami Ismaël Lo, qui est là parmi nous. À mes chers neveux,
les frères Guissé qui sont là, vous venez de les entendre tout à l'heure. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour réitérer mon plaidoyer pour soutenir davantage l'association Idikotize à travers ma voix pour retrouver un bus pour faciliter le déplacement de ces enfants et à l'attention du gouvernement pour la construction d'un hôpital dédié à la bonne prise en charge des questions liées à l'autisme possible. Je vous remercie. Merci beaucoup, Khalidou. Je profite aussi de l'occasion pour remercier Son Excellence, Madame l'Ambassadeur d'Autriche, et remercier aussi le directeur de l'IFAN qui vient tout droit de l'aéroport pour pouvoir participer à cet événement. Merci beaucoup pour votre présence. On va passer au film, mais juste avant de faire cela, je vais vous parler de ce que vous êtes, pour ta participation, pour ta contribution, pour la lithographie. Merci infiniment d'appuyer, que ce soit par ton travail ou de manière personnelle, ces enfants, tous les enfants, sans distinction aucune. Titi Boy est un film documentaire qui porte un regard contemporain sur l'artiste Khalidou Kassié et sa peinture. Il examine non seulement les origines de son esthétique, mais aussi l'influence que celle-ci tient de l'histoire sociale de l'Afrique contemporaine. Le film analyse les fondations historiques, l'environnement social et les contextes qui ont façonné l'artiste en tant que personne et qui ont inspiré son œuvre et donné des bases à son esthétique. Mesdames et messieurs, Titi Boy, le documentaire, la régie, c'est à vous. Si vous ne pouvez pas rester sur votre siège, je suis désolée. Alors, rejoignez-nous. Ensuite, il précisait que le film va rentrer en exploitation au cinéma à partir de vendredi. Donc, il sera à l'affiche toute la semaine. Donc, parlez-en autour de vous pour faire découvrir cette œuvre magnifique. Merci. Thank you.